Le monde sera fixé sur ta défaite. Bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et aujourd'hui nous serons pour le dernier procès de cette affaire numéro 2 de Phoenix Wright, Ace Attorney Justice for Old. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, après une première partie de procès épique, nous devons maintenant savoir quel est le mobile d'inespéré pour avoir tué le docteur Afford. C'est parti! Je suis sûr de prouver qu'il y avait un mobile. J'en suis sûr qu'il y a un mobile. C'est l'accident de voiture, c'est vrai. Mais pourquoi? Pourquoi? Non mais c'est important. Je suis sûr qu'il y a. Ah mais il y a son automobile. Qui sait pas. Oula, attendez, je vais le refaire. Mon mobile. Pour savoir le mobile du crime, voilà. C'est passé. C'est dans l'accident de voiture de la nuit dernière. Je suis en train de me perdre dans mes pensées. C'est parti. J'ai des coupures de presse. Je peux les utiliser quand je veux. C'est bien, attends. Ouais, tu te fous de ma gueule. C'était pas en mai. Déjà, tu te trompes. Ah, c'est drôle. Ah. Ah, tu parles de... Oui. Oui, il fallait préciser. Oh, c'est magnifique. Oh, alors attention. Cependant, je vois personne. Ouais, je vois personne dans la voiture. Ah. Et là, boum. Accident. Oh, tu te calmes. Des cancans. D'accord, si tu le dis. Non, ne pas. Oh, il est dans le caca. Sous un autre angle. Ah, j'ai une pensée dégueulasse. Ah, c'est horrible. Ah, je peux pas m'enlever de ma tête. C'est bien. Le 24. Oui, le 24 juin. C'est le 24 juin. Pas le mai. Elle a été vannée, c'est-à-dire. J'insiste, je peux faire que ça. Je parie qu'il n'a pas le permis. Mais si elle... Je viens de dire une phrase totalement stupide.
Elle a un permis vu que la photo que j'ai, ça se vient de son permis. Ça y est. Ça y est. Elle vient de perdre. Elle vient de perdre. Elle a perdu, c'est bon. Elle vient de perdre. Oui, très très dur. Photo de permis de conduire. Je vais quand même continuer l'interrogatoire. On ne sait jamais. Yes. Présenté. Objection. Tu le sens, ma musique épique? Je l'avais oublié. C'est faux. Parce que tu l'avais déjà. Ouais. Il était très sympathique d'ailleurs. Merci. C'est bien. Attends une seconde. Ah ouais. Et j'ai rien dit. Voilà, exactement. Qu'est-ce que je disais? Bah, oui. Tu n'avais pas le droit. Et pourquoi? Ouais. 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 Bon, c'est toi, ça va. Ça se tient. Une voiture rouge. Mais... Tu peux finir ta phrase? S'il te plaît. Non. Bon, on va te faire foutre. Provisoire. Oh, tu te calmes.
Oh, j'ai rien dit. Je les fouette. Il me semble qu'il y a une T à la fin. Ah d'accord. Ah oui, quand même. J'insiste. J'aime ça. Étrange. Étrange. Étrange tout cela. Oh c'est bon, calme-toi. Ah ah. Une nouvelle voiture de sport. Oui. Elle l'a dit, mais je sais. Oui, je sais, je sais. Ouh, Angleterre. C'est... Ah, on peut... D'accord. Oui, les films sont petits anglais, tu te les gardes, s'il te plaît. Un modèle spécial. Peux-tu en dire plus? Il faut insister, le modèle spécial a l'air intéressant. On n'est pas dans le caca. Oula, substitut, putain, j'avais pas compris. Exactement. C'est pas la question. Mais quand même, je sais pas. Je vais juste lire un truc. Je reviens. Alors. Ok, bon bah ça ne m'aide pas. Non plus, non plus, non plus. Bon, le reste va pas m'aider, j'en suis sûr. Ouais. J'ai plus qu'à insister. Et si j'interroge pour la forme? Donc bien sûr, je pense que c'est une question stupide. Ouh, la réflexion. Oh, wait. Une seconde. Donc, je disais... oui, parce que... qu'est-ce que je disais? Je vais oublier. Ah oui. Donc, s'il y a le vent de l'autre côté, ça veut dire... a confondu le côté passager avec le côté conducteur, donc ça voudrait dire que c'était elle au volant. Ouh, ça pourrait être pas mal. Tu te calmes. Eh oui, il y avait une vraie contradiction. Enfin, je la vois pas, personnellement. Enfin, j'espère la trouver. Ok, alors c'était nul. Thank you.
ça doit être là-dedans. Faut que je réfléchisse. La réponse est sous mes yeux. Elle est à la place collecteur. Yes. C'est ça. Je suis trop bon. C'est génial. La portière de droite. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Réfléchis bien. Et sur un modèle britannique? Allez, réfléchissez bien. Les deux sœurs se trouvent dans une voiture anglaise, dans laquelle le passager se place du côté gauche. Madame Sphère, et vous dites être sorti du véhicule par la portière droite. Mais si vous étiez assis de ce côté, c'est que vous occupiez le siège du conducteur. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Ah non, c'est Skinness. C'est ce qu'a dit Inès, mais c'est là où la déposition prend l'eau. Quelque part, nous avons tous fait une grosse erreur dans nos suppositions. Quoi? Eh ouais, je suis trop fort, t'as vu? C'était Inès Perail. Mais vous êtes con. Mais vous êtes débile en fait. C'est ça, hein. C'est ça, vous êtes débile. Mais arrête ta gueule. C'est faux, putain. C'est-à-dire. Ok. Bon, c'est Daisy. Ah merde, j'ai... Ouais. Ce qui nous amène à la question suivante. La question suivante. Qui est la personne à la barre aujourd'hui? Je vous décline. Oh putain. Oh putain. Oh sa mère. Ce que je risque de perdre. Je crois en moi. Prends ça. Je me deux sur la musique épique. Oh yeah, tu la sens. Oh yeah. Putain, quel retournement de situation, mesdames et messieurs. On y a tous cru. Même moi j'ai cru. Mais c'était faux. C'était sa sœur. Elle est dégueulasse.
ce qu'il s'est passé pour de vrai dans l'accident de voiture survenu il y a un an. La victime cette nuit-là était inespérée. Lizzie a pris le visage de sa sœur avant de renaître sous les traits d'Inès. C'est ainsi qu'elle s'est complètement débarrassée d'identité désespérée. La réponse est simple. Enfin, j'espère. C'était impossible parce que les espérés étaient toujours en vie. Maintenant que j'y pense, en fait, il y a une petite ressemblance qu'elle fait son vrai visage avec Daisy. Je suis un peu con des fois. Et voilà. Est-ce que tu as compris le mobile? Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter? Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, là, je t'ai appelé une morte. Oula. Ah ah. Elle a choisi le visage. Oh putain. Oh sa mère, je me trompais. Oh là là, ça va pas le faire. La raison pour laquelle désespéré voulait changer d'identité est la suivante. Je ne sais absolument pas. Je ne sais absolument pas. Je suis dans le TK. Ah oui, c'est pas ça. Oh, c'est bon. Visiblement, c'est pas ça. Est-ce que je vais perdre? Oui, je crois. Moi, c'était pas ça. Tant pis. Bon, le plus important, c'est que j'ai réussi. Enfin, presque. Ah, c'est la vraie question. Pourquoi Morgane, d'ailleurs ? Non. Non, c'est pas ce qu'on a, t'as perdu. Non, t'as perdu. Ah tiens, oui. Le moitié va être au courant de cette défaite. De ta défaite. Vous avez fini? Arrête. Bon, je m'en fous, t'as perdu. Je demande à ce qu'on la vire. Bon, je suis pas là. Pas du tout, t'as perdu, point barre. Ouais. Bon, vas-y. Non, coupable. Yeah. Merci, bon, je suis toujours dans les pommes. Qu'est-ce que je devais lui montrer? J'en ai aucune idée. Salut. Oh, magnifique image de fou. C'est beau.
C'est beau. Émouvant. Bon, tu peux rendre le corps. Tu peux rendre le corps de perles. Oh oh. Quel génie du crime. Bon, je t'ai sauvé la mise deux fois maintenant. Eh ben ouais. C'est dommage. Quoi ? Oh, j'ai trouvé. Je pense savoir. Je pense savoir. D'accord. Voilà. Ok, c'est pas ça. Alors attends. Non. Non. Attendez, je vais tout reprendre depuis le début. Je sens que j'ai encore me trompé. En fait, je peux lui dire la raison. Mais je suis obligé de sélectionner quelqu'un. J'en sais rien du tout. Et donc, pousser Morgane à aider Daisy. Attention, je vais chercher. La réponse est sous mon nez, en fait. Je viens de trouver. C'est Perle, n'est-ce pas? Un prodige du channeling qui allait être élevé au rang de grand maître. Prends ça. Eh oui, c'est dur à y croire. Eh oui. Oh, elle s'en doutait. Tater inconnu, centre de détention, cellule d'isolement numéro 13. Oula. Oula. Oulala. Oula, Morgane, je sais que c'est toi. Oui, c'est bien ce que je pensais. Épisode 2, Réunion et Volte-Face. Fin. Qu'est-ce que c'est que ce titre de merde? Bref. Eh bien, c'est fini. L'épisode 2 est terminé. J'espère que cela vous aura plu. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit commentaire, un petit like, de vous abonner à la chaîne pour la suite des vidéos, de me suivre sur Twitter @Rainus1. Bon jeu et à la prochaine.